Déjà, c'est toi dans tout studio TV National d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi, vendredi 15 juin. C'est déjà mi-temps mois. Eh bien, nous comptons ensemble avec vous pour présenter toute information qui a dominé l'actualité. Déjà, nous souhaitons vous passer un très bon vendredi sur TV National d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité. Un premier ministre paysan, Jacques Lafontaine, présenté hier jeudi 14 juin, ensemble réalisation, gouvernement l'an sorti janvier pour arriver mois de mai 2018 là. Chef gouvernement dit réalisation ça y est cadré avec vision président république là, Jovenel Moïse. Police nationale d'Haïti présente bilan opération Limene sorti 15 mai pour boutan 14 juin. Pendant la période ça, plusieurs armes, cartouches, machines, motos, bateaux saisis et puis PNH là fait 41 arrestations. 21e édition Coupe du monde de football en FIFA lancée hier jeudi 14 juin 2018 là. Administration Moïse à gouvernement Lafontaine installé sous kiosque oxygène sous Chanmas un gros écran pour permettre fanatiques diverses équipes mondiales là capable suivre match football yo. Et puis en baissant Corée Youn Lot c'est sous thème ça Société nationale la Croix-Rouge haïtienne célébrer jeudi 14 juin journée mondiale baissant. C'est point ça aura quelque chose n'a pas pour capable porter pour dans journal la jeudi a n'a pas pour pas déplacer n'a tout à l'heure. Merci pour fidélité ou attention et dis son nouvelle si là nous retourner pour développement et information. Yo. Et Jean nous te dit dans grand titre pour le ministre paysan Jacques Lafontaine fait hier jeudi 14 juin bilan travail gouvernement l'a réalisé pour dernier mois ça yo. Parmi réalisation ça yo chef gouvernement cité création corps administration civile l'état en un suivant extrait. Nous réactiver ça y aurait les CESAF. CESAF, c'est le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Ça, c'est une grosse affaire, CESAF. CESAF est là pour prononcer sur toute bagaille qui a un rapport avec la réforme de l'État. Et, il faut me dire que CESAF n'a pas formé seulement de gouvernement, non? Il est présidé par le Premier ministre, non? Il y a sept ministre qui la donne, mais il y a trois représentants de la société civile des affaires, il y a un recteur de l'université et il y a un protecteur du citoyen. Nous avons création corps administrateur civil de l'État. Ça sont gros outils que nous gagnons. Et nous avons fait concours et ce sont les meilleurs cadres. C'est meilleur administrateur, ça qui est plus intelligent, yo, ça qui réussit dans l'examen, c'est eux-mêmes que nous prenons. L'autre bagaille qui est très important encore dans la réalisation, yo, c'est l'application arrêtée qui te prend en Conseil des ministres sous sa relève train de vie de l'État. Gofrans, qui est ça train de vie de l'État? Nous songeons tout à l'heure, nous avons parlé l'État, pas choix le papa. Eh bien, bon arrêté qui sorti et non seulement arrêté en fin sorti qu'on y a nous font arrêté d'application qui j'en le fait pour le cas utiliser. Par exemple ou qu'on voit que gè deux ministres cap acheter machine qui coûte un paquet de cob qu'on y a nous dit mais qui machine qu'on ministre doit rouler. Mais qui quantité gaz, c'est 1 gallon gaz par jour. Sauf si que, il y a une mission importante, laisse ça plus comme décaissé pour gaz. Mais il y a un réel qui m'a couru le tour, et il m'explique un petit bail. Mon bail qui était les locations de véhicules. Pour location de véhicules, on doit avoir un bureau l'État, on doit prendre une machine, les louer pendant toute l'année. Et puis, l'offre de garder dans la fin d'année, on a acheté trois machines. Quand on a la loge de qui est-ce qui a une compagnie de location, ça y a, et bien, vous presque pas jamais marqué, vous n'avez pas enseigné pour rien.
Eh bien, cette décision courageuse, ça, oui, que nous prenons, je veux dire. Gon l'autre mesure qui est très importante encore que nous prenons, c'est question de régularisation, question de contrat. Pas ça, sont des blouses à l'idée, affaire de contrat. D'ailleurs, moun nan son contractuel, il n'est pas engagé dans l'État. Et puis, son paquet de maman cobre, une série de contractuels qu'on a touché. Est-ce que nous connaissons, par exemple, il y a un contractuel qui est touché 4 fois, 5 fois sa présidente de la République ou même premier ministre qu'on touche? Sans compter, n'est-ce pas vrai, une série de contrats fictifs qui gagnent. Quand on attend des balles, si je prends par exemple le ministère des Affaires sociales, c'est un bon contrat qui est fait. Quand on a dit que les gens viennent chercher le chèque, ils connaissent le cas tout marié. En pile bon chèque était prêt au baham barrette et pour me dire nous qui côté que comme contrat ça était compte passé. En ce qui concerne recettes fiscales, yo ont augmenté jusqu'à date de 17% par rapport à même période non, l'année dernière. Donc bon petit effort qui fait mais n'a pas que effort intensifier ces jours-ci, surtout au niveau de frontières, là, qui ont pile travail pour nous continuer à faire, pour nous combattre contre la bonne, ok, et que ça soit capable d'augmenter encore plus recette l'État. Toujours pendant la conférence bilan, c'est là pour le ministre paysan Jacques Lafontaine, tu profites de présenter perspective gouvernementale pour moi qui venir. À nous suivre. Président Jovenel Moïse, il pensait que Kounia, c'est investissement pour gagner en Haïti. Ce n'est pas un honte pour un Haïtien ou un étranger qui vient dans le pays, qui vient pour le faire comme. Même si ça fait dans l'autre pays. Comme troisième axe, c'est augmentation de production agricole et amélioration de l'environnement. Nous avons construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires. Renforcement infrastructure hydraulique et sanitaire. On a parlé de amélioration infrastructure et qualité de l'éducation. Nous avons 15 000 salles de classe pour nous faire. Et enfin, c'est la promotion et la stabilité à travers une politique sociale, apaisement social, manger pour mounio, comme dans poche. C'est ça qui est grand axe d'intervention gouvernement de la République, administration Moïse Lafontaine. Dans le dossier sécurité, nous avons dit tout dans le grand titre, sorti 15 mai pour arriver 14 juin 2018, la direction centrale de la police judiciaire DCPJ saisit 10 armes, 475 cartouches, 6 machines, yon moto, 4 bateaux, 27 kilos marijuana, yon kilo cocaïne, 30 230 $ américains, à 4 677 750 gouda et puis fait 41 arrestations. Porte-parole en après police nationale d'Haïti, inspecteur Gary Desrosiers, fait connaître dans cadre enquête PNH la menée sous dossier disparition journaliste Vladimir Le Gagneur, y a arrêté un citoyen qui t'a impliqué dans dossier cela. En nous suivant extrait dans déclaration inspecteur général inspecteur Gary Desrosiers. Dans quatre dossiers journaliste Vladimir Le Gagneur, jeune journaliste qui jusqu'à présent que famine la presse société a bagne nouvelle de lui et dans quatre dossiers parce que nous dit son dossier justement que DCPJ a suivi et la continue de travailler sur lui. DCPJ a arrêté Inch le 20 mai 2018 Guénol Jean qui continue de créer Boss Gwe pour implication présumée dans acte d'association de malfaiteurs et disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. N'a noté que concernant test ADN justement qu'a fait au niveau de FBI pour le moment des CPJ attendent justement et résultats genre confirmation test ça que nous t'ai saisi plusieurs et bon côté que il y a plusieurs et justement qui t'a analysé au niveau de laboratoire qui est très avancé au niveau FBI. Des CPJ interpellé Jean Balaguer Kavanak. Les fêtes et les passés, bon, disons, ils fonctionnaient sous plusieurs noms, ils fonctionnaient tous sous Jean Velmi et Bougoy. Chef d'accusation, extorsion,
disparition, complicité de vol à main armée, tentative d'enlèvement, double identité. Gagné tout Saint-Hubert, chéri, qui arrêté pour meurtre, pour détention illégale, armes à feu et munitions. Gagné tout Mackenzie Derilus, qui continue à crier DJ Candy Mix, qui arrêté pour menace de mort par téléphone avec exigence de rançon. Gagné plusieurs monde qui déféré aux États-Unis sous mandat et sa fête pendant une période là. Gagné Notli Moïse qui a 30 ans de nationalité américaine recherché par les autorités américaines et arrêté via Interpol, chef d'accusation homicide à Miami. N'a pas noté que DCPJ a arrêté le 16 mars 2018 suite justement à exécution mandat international. Gagné Gérard Roger Junior Placide, 55 ans, haïtien. DCPJ a arrêté sous mandat justice américaine, chef d'accusation trafic de drogue. Gagné Emmanuel Bastien, 58 ans, haïtien. DCPJ a arrêté le 1er juin 2018 au Cap Haïtien sous mandat international, chef d'accusation trafic de drogue. Gagné Désir Rodney, chef d'accusation fraude, mandat international. Gagné Georges Philippe Marcou, que DCPJ a arrêté, et chef d'accusation viol sur mineur, mandat international. Gagné Rony Pilis, 42 ans, DCPJ a arrêté pour meurtre et suite à mandat international. Gagné deux lots qui pourraient déférer dans le jour qui vient. Nous excusons-nous pour les difficultés techniques, cela nous retournons pour nous capables de continuer à informer. En baissant, Corée une note, c'est sous thème ça, Société nationale à Croix-Rouge haïtienne, célébrée jeudi 14 juin, Journée mondiale à baissant. Activité ça, c'est occasion pour responsables CRHO continuer à sensibiliser population haïtienne sur nécessité pour être capable de baissant, une façon pour capable sauver la vie monde qui n'a difficulté, monde qui besoin ça. Rachel Saint-Fort à Fresnel Toussaint a présenté nos reportages. Journée mondiale de naissance, une journée diverse responsable dans le monde consacré pour remercier tout le monde qui baille sang, qui aide à sauver la vie de monde qui est en difficulté. Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie. C'est un thème qui est bien au niveau international pour célébrer journée. En Haïti, dans l'occasion de journée ça, responsable Croix Rouge haïtien profite de l'occasion pour honorer environ 60 personnes pour dévouement au gain pour baille sang. Puis loin, président Croix Rouge haïtien Guido Jean-Pierre expliquait pas de doute sur qualité sans Croix Rouge à Bayo. Apparaît que sans ça disposé, c'est appareil les plus modernes, les automates qui permettent de tester sans. Nous sommes capables de fenêtre pour commettre des erreurs presque nulles. Okay? Donc nous testons, nous avons testé une CNDL, la qualité du sang délivré par la Croix Rouge haïtienne, il n'y a aucun doute, ça ne fait aucun doute. Nous faisons sûr de la qualité de nos techniciens et nous en partenariat avec la Croix Rouge suisse qui fait pour nous tous des contrôles de qualité et d'autres partenaires Croix Rouge. Donc en ce sens, nous donnons la garantie la plus formelle qu'il n'y a pas de doute sur la qualité du sang qui est délivré par le Centre national de transfusion sanguine. Je dis à nous honorer près plus d'une soixantaine de monde, mais nous honorer un jeune tout, M. Élisée Pierre, parce qu'il a un rôle pivot que le jouer dans le Club 25. C'est lui-même qui sensibilise les jeunes, les universitaires, mais nous avons 60 personnes que nous honorer. Directeur programme national sécurité transfusionnelle, Ernst Noël, fait qu'on est, malgré le dévouement, quelques personnes pour bailler sang, c'est seulement 50% de monde qui besoin de sang qui arrivent à joindre. Dans ce sens, ça, il dit qu'il y a un pile travail qui mérite fait toujours. Tout haïtien qui a l'âge entre 17 et 65 ans, qui n'a pas de problème de tension, qui n'a pas de série de maladies, qui pesait au moins 110 livres et qui a un comportement de vie responsable, c'est une occasion pour nous dire allez, participer avec nous, bail sang pour gagner plus de sang disponible pour la population. Et c'est le seul moyen que nous gagnons réellement pour nous sauver la vie. Moun qui en difficulté dans la communauté pour un pochet de sang. Nous avons besoin de presque 53 000 demandes par année, nous recevons, mais nous collectons seulement 28 000 pochettes. Et là, nous regardons qui quantité de monde a besoin qui arrive à joindre, c'est à peu près 50% dans les gens qui ont demandé.
responsable expliqué à continuer séance sensibilisation sur l'importance bay sang gain yo souhaiter citoyen impliqué au plus vinn bay sang pour permettre plus pochette sang qui disponible pour répondre à besoin population. Président Kouakou Jean Hissène n'en fait connait institution commencé à associer la diverses mairies dans affaire collecte sang. Responsable souhaiter l'autre instance dans l'état supporter yo permettre yo collecter plus sang pour sauver la vie population. Dans l'occasion 21e édition Coupe du monde football, magistrat principal de la commune Tabala, Nice Simon, installé télévision dans plusieurs quartiers et places publiques dans la commune Silla. Pendant une visite inspection réalisée dans divers quartiers Sayo, magistrat Nice Simon expliquait l'initiative Sayo visée à accompagner la population, une façon pour permettre de vivre plus bien mondial là, qu'à dire un mois dans le pays là aussi. Nous extrêmement micro Louis Jean-Louis et Michel Joseph. Nous installé télévision solaire ça yo dans Cara 2, nous installé sous place publique yo que nous té sous place Claircine, sous place Hugo Chavez et nous installé encore du côté de Sartre et jodi an là nous dans but Boyer et nous installé tout dans Bigarade. C'est nous installé tout au niveau de Cara 2 que moi té dit de Claircine 8. C'est en pile côté qui gagne, en pile monde qui gagne pile masse et nous té estimé que yo té mérité pour capable gagner télévision ça qui vient dans communauté en une façon pour au moins capable unir tout ça qui divise déjà football en capable unir toujours dans l'idée pour capable permettre fanatiques vivant mondial là administration Moïse là à gouvernement La Fontaine installé sous kiosque oxygène sous champ de masse gros écran télévision équipe télévision nationale d'Haïti était sous place pendant première journée mondiale là pour voir qui gens ça t'a déroulé sous kiosque oxygène. Whitney Doléan avec Moïse Oubrecha dit nous plus là aussi face à sélection Arabie Saoudite là. C'est le premier match qui marquait 21e édition Coupe du Monde. Ça. Malgré le gros soleil, ça n'a pas empêché plusieurs dizaines de fanatiques football suivre le déroulement match ça sous le cœur de Gentilla à travers un gros écran la présidence placée pour eux. Une initiative, plusieurs monde félicité. C'est une belle initiative. Mon nègre doit passer dans son nom, bien il pas une activité que le poil régler puis il venir il chita. Talia ou t'a remarqué que gagne élève l'école là tout. Donc tu nous proposer, il va venir entrer la caille comme si pour pas prendre la fait puis venir garder pour petit monde là. Moi pense c'est une belle initiative que je mettre en place. C'est une bonne initiative. Pour 20e édition qui était organisée dans l'année 2014 dans pays Brésil, c'est sélection Almaila qui était remporté. Qui équipe qui a privé champion 21e édition? Il y a une question, quelques fanatiques ont tenté de répondre. Depuis Messi là, on comprend, il y a un problème. Argentine, chaque jour. Monsieur Argentine, toujours pas la pile. L'on contrôle combien de Coupes du Monde game. Bon, ça va, ça ne vaut pas la peine. Je vais même répondre même. Mais pour le Brésil, nous toujours à côté sur eux. Je pense qu'il n'y a pas fait nous honte. Donc, nous dans la finale. Il n'y a pas de monde qui vient, on a contre eux. Plusieurs monde qui tapent vendre ou soit assisté match dans le cadre de la première journée mondiale 2018 là. Quoi c'est on doit tout le monde gagner pour chauffer l'équipe yo vle dans respect une pour l'autre. Mon connait discussion vraiment rivé comme si pour nous dans on compte comme si pour dépasser en limite non non m'ba faire ça. Ça fait ma petit fanatique Brésil avec Argentine yo, next soir millionnaire déjà, pas oublier c'est un bien ça ba nous. Nous même tout nous doit dans ambiance là tout mais nous pas de côté nous aller parce que je même qui sur terrain on met adversaire mais on pas ennemi, on comprend ça nous là. Donc nous même nous pas gagner droit pour n'a faire compte avec pareil nous, pour pas séparer nous, nous pas quoi ça doit faire entre nous connait. 21e c'est ça, ça va gagner droit faire. Compétition ça qui démarrait jeudi 14 juin a privé dans Boutli dans date 15 juillet 2018 là. Responsable mairie Kafou ak lot autorité dans zone Sila honoré mardi 12 juin passé ya quelques l'école dans la commune nan, qui remporté diverses compétitions intellectuelles qui réalisées dans pays ya. C'était occasion pour responsable féliciter et puis remercier différentes équipes qui champion yo annoncé. Centre d'études Lumière, Collège Catherine Flon et Lycée Henri-Christophe, c'est toi l'école Carrefour qui brillait pendant passage dans diverses compétitions intellectuelles et interscolaires qui organisaient dans le pays. Centre d'études Lumière, champion dans le concours Télégénie, Télévision nationale d'Haïti, Collège Catherine Flon remporté première édition concours Génie interscolaire municipal là.
et puis lycéen Christophe champion concours Brand Challenge avec génie du livre. D'après magistrat Kafoua Jude Edopierre, résultat ça montre Kafoua bouché, il a travaillé pour assurer l'élève là. Chers élèves, au nom du conseil municipal de Carrefour, au nom de la ville, nous voudrions exprimer notre joie parce que vous avez représenté dignement la ville, cette ville jadis stigmatisée, dont vous êtes fiers et pour laquelle vous avez remporté cette victoire historique face à la prestigieuse institution Saint-Louis-de-Gonzague. Dans l'occasion, le capitaine équipe Centre d'études Lumière remercie l'initiateur pour la décision ça yo prend pour honorer l'équipe champion yo et puis féliciter yo pour la promotion qu'il a fait pour la commune Kafou. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir tenu à honorer notre équipe pour avoir, comment dire, faire la promotion de Carrefour. C'est notre fierté, c'est notre ville, c'est là que nous nous habitons, c'est là que nous habitons et c'est ici que se trouve notre école. Activité ça a été occasion pour responsable dans mairie avec l'autre autorité zone là remettre plaque honneur avec mérite par équipe champion yo pour travail yo fait pour façon yo briller dans différentes compétitions intellectuelles interscolaires ça yo. Cette tête là arrivée déjà, l'arrivée moment pour nous capables aller mais permettre que nous rappelions avant que nous allions grand point qui domine l'actualité. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine présenté jeudi 14 juin ensemble réalisation gouvernement lien sorti janvier pour arriver mai 2018 là. Chef gouvernement dit réalisation ça yo cadré avec vision président République là Jovenel Moïse. Police nationale d'Haïti présente bilan opération li mené sorti 15 mai pour arriver 14 juin 2018 là. Pendant période ça plusieurs armes, cartouches, machines, moto, bateau saisi et puis PNH là fait 41 arrestations. 21e édition Coupe du monde de football FIFA lancée hier jeudi. Administration Moïse à gouvernement Lafontaine occasion installé sous kiosque Oxygenti gros écran télévision pour permettre fanatiques diverses équipes capable vivre mondial si là. Et puis en baissant Corée Yun Lot c'est sous thème ça Croix Rouge haïtienne a célébré jeudi 14 juin journée mondiale baissant. Nous vraiment très contents ensemble avec vous pour être capable d'informer l'équipe sportive là déjà dans le studio 2 avec Adrien, Jérôme et Steven. Vous pouvez gagner pour être capable de porter pour nous le premier match en journée Égypte qui pourrait gagner pour être capable de toquer connu avec Uruguay. Et puis pendant la journée, l'autre équipe là qui gagne Dominique, Fanes, Guy, Woody et Italia, vous même avez gagné pour porter l'autre match pour nous pendant la journée Maroc, Iran, Cap Joué aux environs de 11h et puis match fin journée. C'est Portugal. Avec Espagne qui a joué à 2h de l'après-midi. Nous souhaitons passer un très bon vendredi et un très bon week-end sur les nationales d'Haïti.